Comment je suis vu sur ce direct? Il faut que je vérifie ici sur le téléphone. On me dit que je suis en direct. Faut que je teste ce nouveau ordinateur. Alors, je vais vérifier comment je suis. Parce que là, je le vois en miniature. Je comprends pas. C'est pareil, hein, c'est en miniature là. Ok. Bon. Je vais continuer. Écoute, petit, je te laisse. Je suis en train de m'habituer à un nouveau ordinateur là pour les directs. Alors, je sais pas trop si je le fais bien, j'utilise bien, mais ce qui est sûr, je vais me déplacer. Fréquence d'image clé trop faible. Voilà, c'est un ordinateur, c'est pas un téléphone. Donc là. J'ai pas l'habitude d'utiliser le ordinateur. Il est où mon iPhone? Ok, passe-moi le téléphone qui est tombé, s'il te plaît. Je vais me mettre dans mon bureau, ça sera plus simple. Ok, si tu voulais aller au salon, tu peux, hein. Je suis venu au bureau. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Ah, je vais juste. En fait, là, j'étais en train de faire un test. Oh là là. Je suis en train de faire un test. Et voilà, je suis en train de faire un test puisque j'ai pris un nouveau ordinateur pour les directs. Et comme par hasard, j'étais déjà en direct. J'avais déjà mis un thème. Lo Bognon! Comment il va? Ben, on va causer un peu, hein. C'est ce qui m'embête ici. C'est comment je peux agrandir l'image. Ah, alléluia, amen, j'ai trouvé. Voilà, en cherchant, on trouve. Ce que je cherchais, j'ai trouvé. Là, maintenant, je suis à l'aise, là, pour faire ce direct. Je me vois mieux. J'ai porté mes lunettes quand même. Hein. Mes yeux, là, ça sent quelqu'un qui est fatigué, non? Dieu vous bénisse. Là, franchement, là, je suis venu causer avec vous. Mettez les cœurs, hein? Mettez les cœurs, on va discuter un peu. Je voulais parler un peu de la vie. C'est pourquoi j'ai mis ce thème-là. J'ai changé un peu ma décoration derrière. J'ai préféré mettre un tissu noir maintenant. C'est bien l'ordinateur, là, pour le direct. C'est génial. Ah, je fais les 8 idées. Vidéo YouTube avec ça aussi. C'est génial, c'est mieux que le téléphone, je crois. Attends, je vais vérifier ici. Attends. Excusez-moi. Facebook. Tac. Comment je vois ça ici? Ah, c'est génial. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Waouh. Oh, mais c'est avec ça je fais les directs maintenant. C'est avec ça je fais les directs. Voilà. Ok, on est là. On va continuer. Ah,
On a une seule vie. Venons à causer ici, là. On a une seule vie. Je vais partager quand même. Là-bas, je ne vais pas te déranger parce que je ne connais pas trop l'ordinateur. Donc, je ne vais pas trop déranger. Mais ici, ah, c'est génial. Avec l'ordinateur, tout ce que je dis, je le vois écrit. Donc, je ne peux pas trop, mais... ça écrit ce que je dis. Oh, un baoulé gaou, un baoulé gaou Facebook. Ah, ouvre la voix. Je suis un baoulé gaou. Et ça, c'est pas nouveau. Non, c'est moi qui... c'est pas nouveau. Oh, mais il faut s'adapter à tout. Hein. L'ordinateur est nouveau, donc voilà, c'est comme ça. Hein. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais je kiffe trop. L'image est propre. Et en même temps, quand je parle, il écrit ce que je dis. C'est aïe, est propre. Je suis en train de lire là, sur l'iPhone là, c'est qui là, ce que je dis de l'autre côté. Formidable. Enfant béni. Enfant béni. Tu connais cette chanson là? Enfant béni. Moi-même, je ne connais pas, mais tout ce que je connais dedans. On écrit Dieu en majuscule. J'ai du miracle. Faut venir m'évangéliser en même temps, non? Viens prier pour moi, pardon. Viens me consacrer. Viens me consacrer au... Il y a quoi là-bas encore? Il y a parabole là-bas. Qui a écrit Dieu? J'espère que ce n'est pas moi. Bishop. J'ai dit, oh, deux fois, je me regarde et puis je me dis, si t'es pas né là, Dieu allait faire comment? je suis un phénomène quand même. Hein? Et deux fois, je me regarde et puis je dis, Seigneur, si t'es pas né, est-ce qu'il aurait eu la joie dans le ciel? Ben, moi-même, je sais que vraiment, je suis quelqu'un, quoi. Ouh, que Dieu vous bénisse abondamment. Bon, arrêtez vos paroles de Dieu en majuscule, Dieu en minuscule. Hein. Dieu, c'est Dieu. Quittez là-bas. Que Dieu même, est-ce que Dieu même vous a dit que il a mis quelqu'un à l'école? Il y a qui ne sont pas là à l'école. Ils sont pas écrits. Dieu vous a dit que lui, il a envoyé tout le monde à l'école. Et puis, la langue française, là, vous croyez que c'est la langue de tout le monde? Donc, si quelqu'un écrit Dieu en minuscule, ça c'est pas grave. Il veut dire Dieu quand même. C'est pas tout le monde qui est parti à l'école. Ça me fait rigoler. Ce que j'ai dit là, moi-même, ça me fait rigoler. Mokaro bloka zanga talabra. Alors, mon titre, c'est quoi? Mon titre, c'est... j'aime ce petit ordinateur. Il est trop formidable. Je m'assois comme ça, et puis regarde l'écran, on dirait que... Quelqu'un qui a acheté un miroir et puis il est en train de se miraser. Je suis en train de me miraser. Bon, 12 spectateurs. Bon, tu vois, c'est avec l'ordinateur, on voit ça. 12 spectateurs, 11 commentaires, 4 j'aime, 4 partages. Vous êtes des sorciers. Avec ordinateur, là, je vous ai attrapé aujourd'hui. Vous êtes des sorciers. Ah! Quand c'était sur le téléphone, là, je ne voyais pas. Hein. Oh, maintenant, là, je vous vois. Regarde, 12 spectateurs, 11 commentaires, 4 réactions, 4 partages, 0 clip. Yeah. Donc, c'est comme ça que vous me mamaillez, quoi. C'est comme ça que vous me mamaillez tout le temps. Qui yeah. Il fallait que je prenne un ordinateur pour vous attraper. Makassa Katara. Non, attends, je regarde encore. 15 spectateurs, 11 commentaires, 7 réactions, 4 partages. 4 partages. 4 partages.
Voilà ce que je vis tous les jours. Eh oui. Voilà ce que je vis tous les jours. Ordinateur là m'en parle. Hein. Regardez. Ordinateur, c'est un petit ordinateur. Je ne vais pas vous dire la marque, parce que je ne fais pas publicité. Là, c'est devenu 20 spectateurs. 12 commentaires, 7 réactions, 4 partages, 0 clip. Ouais. Sur le téléphone, je ne voyais pas ça. Parce que c'est toujours avec le téléphone que je faisais les directs. Maintenant, là, c'est l'ordinateur. Et Dieu merci, l'ordinateur me met le diagnostic. Tout est là. Prenez ça comme ça. Statistique. 19 spectateurs. 13 commentaires. 7 réactions. 4 partages. Moi, c'est 4 partages là qui me fait mal. 4 partages. Ça veut dire que, en fait, j'ai un problème avec ceux qui me suivent. Quand vous venez sur mes directs, vous regardez, vous écoutez, mais vous ne partagez pas. 4 partages. J'ai 18 spectateurs et j'ai 4 partages. Maintenant, ça fait 5. Il y a 10 réactions. C'est l'ordinateur qui parle, ce n'est pas moi. Voilà le problème dans lequel on se trouve. Donc, moi, là, vous me mamaillez, vous m'escroquez, vous m'exploitez. Non, là, c'est simple, hein. J'ai fait exprès, j'ai pris ordinateur. Je suis allé prendre ordinateur exprès pour voir clair dans l'affaire, là. Non, tu es dans téléphone, là. On ne voit pas le vu. Il faut prendre ordinateur, tu vois. Voilà, j'ai pris ordinateur. Maintenant, voilà, ça, tout est là. 18 spectateurs, 17 commentaires, 11 réactions, 5 partages. Tout est ici. Ça est là. Même si je clique dessus, on va me dire qui a partagé. Attends, j'ai. C'est ça. Oh, dis-moi qui a partagé toi aussi. C'est quoi ton problème? Bon, il ne veut pas me dire pour le moment qui a partagé. C'est après, je vais voir qui a partagé. Bon, on est dedans, on va faire comment? On dit mouillé, c'est mouillé, il n'y a pas mouillé sec. En tout cas, tous ceux qui viennent sur mon direct qui ne partagent pas, ce sont des sorciers. Tous ceux qui viennent sur mon direct, qui ne partagent pas là, vous êtes des sorciers. Non, ça, vous n'avez pas besoin de savoir si vous avez, ne cherchez même pas, si vous avez esprit de sorcellerie, si peut-être que vous mangez la nuit dans votre rêve, ou bien on vous a initié à la sorcellerie. Moi-même, je vous dis en même temps, vous êtes sorcier. On ne peut pas venir sur direct d'Atia normal. Tu écoutes, tu es content, ça te fait plaisir. Toi-même, ça te touche. Et puis en même temps, tu ne partages pas, tu es un sorcier. Ça, c'est la sorcellerie. Et ces ce genre de sorcellerie, il n'y a pas de délivrance. C'est toi-même qui peux changer. Voilà. Et puis, il y a une soeur qui dit, j'ai partagé, j'ai partagé. Bon. Je vais voir si tu as partagé. C'est toujours 5 partages. Hein. Toi, tu as partagé, mais 5 partages. Partagez dans vos groupes. Voilà le direct qui est là. Voilà le direct. Voilà. Je vais vous montrer comment faire. Voilà le direct. Vous voyez le direct? Il est là. Je vais sur le direct. C'est quoi un coup de lecture encore? Il y a quoi? Je vais sur le direct. Je suis sur le direct. Vous voyez? Voilà le direct. Je fais, vous voyez la petite flèche qui est là. Tac. Je clique dessus. Et puis, voilà. Votre story, Messenger, groupe, Instagram, Twitter. Tu peux partager partout où tu veux. Qu'est-ce qui est compliqué dans ça? Bon, ça là, tu vas me dire que ça là, c'est iPhone. Bon, je vais prendre Samsung. Je vais prendre un Samsung. Comme ça, au moins, on va se comprendre. Voilà Samsung. Samsung, c'est marqué quoi? Écris un message, tu peux partager là. C'est marqué copier le lien. Tu peux copier pour mettre sur un autre truc, YouTube ou bien tout ce que tu veux. Après, ici, c'est marqué quoi? Partager dans un groupe. Il n'y a rien qui est compliqué. Bon, Huawei, lui, dit quoi? Huawei aussi, c'est pareil. Écris une publication, copier le lien, partager dans un groupe. Bon. Tous les marques là sont là. Donc je vous ai expliqué. Maintenant là, c'est quoi le problème?
Hein? Il y a combien de partages? 5. 5. On va prendre ça comme ça. Comme 5 là, c'est un chiffre de grâce. 5, c'est le chiffre de la grâce. Donc, on prend 5. 5, c'est le chiffre de la grâce. Il n'y a pas de problème. Bon, je vais donner la petite exhortation que je vais vous donner parce qu'après, moi, je me pose. Je voyage bientôt là, je vais me poser. Donc, je vais faire un petit live avec vous. Est-ce que le bouillon est toujours là? Est-ce que le bouillon est toujours là? Est-ce que tous mes enfants spirituels sont là? Je sais que je vous ai pris un peu de vitesse. Il est seulement 20h11. Il est en Afrique, il est que 18h. C'est pas grave. Vous allez partager un peu le direct. Je vous dis quelque chose. Vous avez une seule vie. Profitez de votre vie. Vous avez une seule vie. Ne vivez pas votre vie par rapport aux gens. C'est tout. Tel que ce soit là, je ne suis pas venu prêcher, essayer de prêcher Jésus, Jésus, Jésus. Ce soir là, je vais être light. Je vais juste motiver quelqu'un. Tu as une seule vie. Une seule vie. Profite bien de ta vie. Profite de ta vie. Quand on dit profite de ta vie, ça ne veut pas dire va vivre dans la débauche. Ça ne veut pas dire passe ton temps en boîte de nuit. Ça ne veut pas dire passe ton temps dans les maquis. Ça ne veut pas dire va faire tout ce que tu peux faire, va fumer la drogue. Il faut t'enivrer dans l'alcool. Non. Profiter de la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que ton cœur désire comme plaisir, qui ne va pas être contre la volonté de Dieu, fais-le. Moi, je suis venu donner juste ce conseil à quelqu'un. Parce qu'il y a des gens, en fait, qui vivent, surtout les chrétiens, là. Il y en a qui disent, je vis pour le royaume des cieux. Mon frère, le royaume des cieux, là, c'est en haut. Hein. C'est quelque part là-bas où tu n'es jamais parti. Moi, ma maman est partie, je n'ai pas encore vu ma maman revenir me dire comment ça se passe là-bas. C'est-à-dire que le ciel, là, toi, tu ne peux pas savoir il y a quoi dans le ciel. Tu ne peux pas savoir en haut là-bas, là, il y a quoi. Peut-être même que ce n'est pas en haut, on voit, c'est à gauche ou à droite. Toi, tu ne sais même pas. On n'a qu'à être clair. Il n'y a pas quelqu'un d'entre vous qui est mort, qui est revenu et qui vit sur cette terre. Qui peut vous dire, oh, j'étais allé dans le ciel était ainsi, il y avait le paradis. Il y a eu des menteurs. Les menteurs, je vais vous expliquer. À un moment dans les années 90, quand il y a eu le réveil spirituel, il y avait des menteurs, des malots, des mamailleurs qui se promenaient d'église en église. Oh, j'étais un ancien sorcier. Je suis mort. Je suis allé au paradis. J'ai vu l'enfer, j'ai vu le paradis, j'ai vu, on a tout lu. Moi-même, j'ai lu le livre de. Et comment s'appelle la femme là? Et Rebecca Brown. Moi, j'ai lu ça bien même. Libérer des captifs. J'ai lu ça. Il y avait un deuxième livre là, j'ai oublié le titre, mais j'ai lu. Je ne sais même pas si j'ai ça encore dans mes affaires. Oui. Des gens même sont venus faire des témoignages. D'autres, je suis mort. J'ai vu Jésus. Quand je suis allé là, j'ai vu l'enfer, j'ai vu le paradis. Mettez les cœurs hein, sur le direct, s'il vous plaît. Je veux voir vos cœurs pleuvoir là. Je veux voir vos cœurs pleuvoir sur mon direct. D'accord? Et en réalité, la plupart des gens, on a trouvé, c'était des menteurs. On a même attrapé une femme dans un village. Une femme qui, en fait, c'était même pas vraiment. Ça dit qu'elle voulait se faire des sous. Parce que quand les gens faisaient les gens faisaient les témoignages dans les églises, on faisait des offrandes pour les donner. Donc la femme-là, elle a menti. Je suis sorcière, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Elle est partie dans une église, dans un village. Et donc, si je ne me trompe pas, c'était un étranger. Je crois que c'était un Ghanéen, un Nigérien qui avait rendu témoignage. Il était en train de rendre témoignage. Tel accident-là, c'est moi qui ai provoqué ça. Il y avait une telle chose dans tel endroit, c'est moi qui ai fait. Et puis il y a une vieille femme qui s'est levée. Elle dit, hey, je vais parler. Je vais parler. On dit, maman, tu as quelque chose à dire? Oui, je vais parler. Ce que le monsieur a dit là, je vais rajouter quelque chose.
Et puis la vieille dit, lui là, c'est un menteur. Ce qu'il dit là, il ment. Parce que Asida, il dit qu'ils ont fait dans tel endroit là, que c'est lui qui a provoqué Asida là. C'est faux. C'est nous. C'est moi. Moi-même, j'étais là. C'est nous. Il y avait moi. Elle a commencé à citer tous les sorciers du village. Il y avait moi. Il y avait Ndiadjo. Il y avait Ndiakwasi. Et puis, il y avait Ndiabolokofi. Elle a cité tout. Elle dit, nous là, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Maintenant, lui, il est quitté au loin. Il vient et puis il dit que c'est lui qui a fait. C'est un menteur. L'homme là, c'est pas un sorcier. Nous, on connaît des sorciers, on a des clans, mais lui, on l'a jamais vu dedans. Non, mais le pasteur lui dit, mon frère, est-ce que tu es sûr que tu étais un sorcier, tu t'es converti? Parce qu'à cause de toi, la vieille vient de se repentir. Maintenant, il faut nous dire si c'est vrai. Il dit, non, je mens. Comme c'est. Maintenant, là, quand on rend témoignage, on dit, on est devenu sorcier, on s'est converti, les gens font des offrandes. Moi, c'est devenu mon business de me promener d'église en église. Comme ça, quand je finis de raconter tout ça, on me fait des offrandes et puis on dit, mon frère, comment tu peux venir mentir aux gens comme ça? Donc, on est là. On a une Bible. Moi-même, ma Bible là, j'ai au moins, Bible là, mais j'ai beaucoup, hein, dans mon truc là, mon meuble là, j'ai au moins 3, 4, 5, 6 là-bas. Il y a un qui est gros comme ça. Lui-même là, si on t'a tapé sur la tête, t'as ça, tu vas t'évanouir. Ce que les prêtres, ça même prêtre touche pas, mais c'est les prêtres des prêtres là, les papes qui touchent ça. Ça est là. Après, il y a Bible de Jérusalem, il y a Louis II, toutes les versions j'ai. J'ai top, j'ai ceci, j'ai son petit, j'ai son gros. Toutes les Bibles sont ici. Hein. Mais Bible là, c'est papier haut. C'est des gens, ils ont tapé. On peut faire erreur de frappe dedans. On peut faire erreur de frappe dans Bible. Erreur de frappe, là, on peut faire ça. Hein. Ça peut, en disant comme ça, au lieu de dire le, ils ont dit là. Ça peut arriver, c'est papier. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et la Bible nous raconte des choses. Il y a d'autres livres qui nous racontent des choses. Mais frère, entre vous et moi, qui est mort? Toi et moi là, qui est mort? Il est parti, il est venu, puis il vit encore. Non, il n'y a pas. Hein. Donc, paradis là, nous, on ne sait même pas où c'est. Ça veut dire quoi au juste? C'est où? Enfer, on ne sait même pas si c'est sur la terre vraiment ou si c'est quelque part, on ne sait pas. Tu es en train de vivre, tu as une seule vie. Tu ne veux pas profiter de ta vie. Quand on dit profiter de ta vie, ça ne veut pas dire va vivre dans le désordre. Mais fais plaisir à ton corps. Fais plaisir à ton âme. Fais plaisir à ton esprit. Il y a des gens qui vivent dans ce monde, dans cette vie, comme des prisonniers. Il y a des gens qui vivent comme des prisonniers. J'ai connu un monsieur qui avait tout. Il avait des millions. Il avait. De l'argent à Oblovoué. Tu te rappelles de lui là, lui qui était là où on avait fait l'église, le propriétaire s'appelait comment même? Le propriétaire de là où on avait l'église à Châtellerault là. Coulo. Son nom, on dirait cul de quelqu'un en italien. Il s'appelle le monsieur, tu le vois, on dirait misérable. Il porte short. Short là. C'est presque déchiré. T-shirt bizarre. Quand tu le regardes, lui là, c'est un clochard ou un SDF. Sa voiture, c'est une vieille voiture des années Toé, 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 1900 Toé. Même avant 1960, voiture là n'existait pas. Mais tu regardes le monsieur, tu dis, oh, lui là, je vais lui faire une offrande. Pourtant, c'est un multimilliardaire. Un multimilliardaire. Il a des immeubles, il a des appartements. Presque la plupart de plein de choses qui sont dans la ville, c'est lui qui ça l'appartient. Mettez le cœur, oh, je n'ai pas encore fini de vous parler. Mais le monsieur ne vit pas sa vie. Il ne se fait pas plaisir. Bon, lui là-haut,
Quand il va mourir là, c'est qui va manger ça, son argent? Il dit, quand il meurt, lui là, quand il meurt là, c'est qui bouffe? Bon, s'il a une femme, sa femme, ses enfants, tout ce qu'il veut. Hein. Mais après, s'il n'a pas tout ça, c'est l'État. L'État prend, il met dans la caisse. Il y a beaucoup de Français ici qui meurent avec des richesses, qui n'ont ni enfants, ni femmes, rien du tout. C'est l'État qui prend leur argent. L'argent revient à l'État, ici en France. Aïe! Tu as ta vie. Tu ne veux pas profiter de ta vie. Bon, si tu as construit une maison, ça, ce n'est pas mauvais. Tu t'es acheté une voiture pour te déplacer, ce n'est pas mauvais. Tu as envie de manger ce que tu veux, qui te plaît. Mange. Mais tu es là. Oh, paradis. Jésus a dit. Le paradis, je vais garder l'argent. Il y en a qui ont gardé l'argent jusqu'à au moment où ils voulaient faire quelque chose. C'est là qu'ils sont morts. Et puis tous les sorciers du village, leurs ennemis, leurs cousins, leurs frères, tous ceux qui ne les aiment pas, ils ont pris ça, ils ont profité de ça. On a une seule vie. Hein. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Deux fois, sortez un peu. Va dans un restaurant. Va manger, même s'il y a la nourriture à la maison, sors. Va goûter le plaisir de s'asseoir dans un restaurant, de se faire servir. Les gens viennent, tu commandes, tu manges. Ça fait plaisir. Même si tu as une belle chambre, tu as une belle maison, deux fois profite un peu, dis, oh, je vais aller à l'hôtel. Prends une chambre d'hôtel. Pour voir ce que ça donne d'être dans une belle chambre d'hôtel, comment on s'occupe de toi. Prends un jour, deux jours, un week-end. Ça peut être monsieur, madame. Vivez votre vie. Prenez vos enfants, sortez un peu. Allez-y dans des endroits où ils vont voir du plaisir. Mais ne soyez pas toujours là. Oh, on ne sait jamais ce que la vie va nous donner des mains. On ne sait jamais ce que la vie va nous donner des mains. On ne sait jamais ce que la vie va nous donner des mains. Et vous êtes là, toujours. Attendez. Tu meurs. L'argent reste derrière toi. Même tes enfants mangent. On a une seule vie. On a une seule vie. Oh. Ce que je vous dis là, peut-être que certaines personnes ne vont pas comprendre le sens, mais il y a des gens qui ont lutté toute leur vie. Au moins, ils voulaient profiter. Même un instant, ils sont partis. Tu as une seule vie. Prends soin de toi. Prends soin de ta vie. Prends soin de ta vie. La mort, là, ça surprend. La mort suprême. J'ai vu un monsieur, j'étais en Normandie, je vais pas, j'étais en Normandie précisément à Val-de-Reille. Est-ce que c'est à Val-de-Reille? Oh non, Sotteville-lès-Rouen. À Sotteville-lès-Rouen. Et il y a un monsieur qui s'est lavé le matin, préparé. Il devrait aller au travail. Il a pris son petit déjeuner. Il s'est couché. Elle a dit à sa femme, je reviens, je me repose un peu, j'ai mis mon réveil, après je vais au travail. Le monsieur s'est plus jamais réveillé. J'arrive. Le monsieur s'est plus jamais réveillé. Il est parti. Mettez le cœur. Ah, vous ne mettez pas le cœur, vous voulez que je continue. Mettez le cœur. Mettez le cœur là. Mettez le cœur. Parce que vous écoutez direct, ça met le cœur. Je
Je vais voir combien de partages. 5 partages toujours. Alors, je disais, vous mettez les cœurs, je suis d'accord, hein, mais partagez le direct. Parce que c'est en partageant que d'autres personnes arrivent à voir. Partagez. Partagez dans vos, chez vos amis, Messenger, groupe, sur vos pages. Partagez le direct. Partagez. C'est le partage qui fait que le direct, d'autres personnes peuvent voir. Voilà. Donc, je disais que le monsieur est mort. Le monsieur est mort. Tranquillement, paisiblement, il est mort. Il s'est levé le matin. Il s'est préparé. Il était prêt à aller au travail. Il ne s'est plus jamais réveillé. Jamais réveillé. Sois béni. Gide Mira, sois béni. Alors, la mort là, ça peut surprendre n'importe qui. Moi, deux fois, je rigole. Hein. Les gens qui pensent qu'ils sont trop riches. J'ai des milliards, j'ai des millions. Ils embêtent les gens ici. Ils escroquent les veuves, les gens, ils achètent, ils arrachent terrain des gens. Ils font. Moi, ça me fait rigoler. Un matin, tu ne vas plus te réveiller. C'est fini. C'est fini. Tu peux avoir 1 milliard de terrains, 1 milliard de maisons, 1 milliard de voitures. Quand ton temps est arrivé, c'est fini. Lorsque ton temps est arrivé, c'est fini. Je parle à une personne. Profite de la vie, mais ne profite pas de cette vie en faisant du mal à ton prochain. Ne profite pas de cette vie en détruisant les autres. Ne profite pas de cette vie en te croyant supérieur aux autres. Parce que je vais vous dire une chose. Même si l'enfer n'existe pas, même si le paradis n'existait pas, il y a un enfer qui existe et il y a un paradis qui existe. Vous savez c'est quoi? Les ceux qui font du mal n'iront jamais là où ceux qui font du bien vont. Ça c'est obligé. Ça je suis convaincu. Même si le paradis qu'on nous décrit partout n'existait pas. Moi, je crois qu'il existe. Mais même s'il n'existait pas, je crois que ceux qui font du mal vont payer. Et ils iront dans un endroit pour payer pour leur mal. Et ceux qui font du bien iront dans un endroit pour payer pour leur bien. J'en suis absolument convaincu. Il y a des gens qui ont vécu heureux sur cette terre, qui ont fait souffrir des gens. Aujourd'hui, ils sont en train de souffrir après la mort quelque part. Et puis, il y a des gens qui ont souffert sur cette terre en faisant du bien aux gens, mais qui sont heureux aujourd'hui quelque part. Bon, je ne vais pas dire que je crois à la réincarnation. Non, je ne peux pas dire ça. Ça, c'est un truc, je ne suis pas arrivé à ce niveau. Mais, il y a des gens peut-être qui vivent heureux sur cette terre à cause du bien qui a été fait quelque part. Et il y a des gens qui vivent malheureux sur cette terre à cause du mal qui a été fait quelque part. Bon, la vie est bizarre. La vie est bizarre. Nous sommes tous là, il y a un rideau. Le rideau s'appelle la mort. Le rideau s'appelle la mort. Tant qu'on n'a pas traversé ce rideau, on ne pourra jamais savoir ce qu'il y a derrière ce rideau. Tout ce qu'on fait ici, là, on croit que la Terre, c'est le seul monde, la seule planète, le seul endroit qui existe. Chacun veut tuer son ami, faire ce qu'il veut, écraser l'autre. Mais il y a un rideau qui s'appelle la mort. C'est après ce rideau-là, on va savoir il y a quoi derrière. Bon, tant que tu n'as pas franchi la mort, tu ne peux pas savoir. En réalité, la mort est une renaissance. La mort est une renaissance. La mort n'est pas une fin en soi. La mort est une renaissance. C'est un recommencement de quelque chose. Et c'est pourquoi on va tous mourir. Peut-être qu'on meurt plusieurs fois, mais on ne sait pas. Tiens, normal. Peut-être que tu vas mourir sur la terre ici. Tu vas le mourir aussi dans un autre monde quelque part. Après, tu vas le mourir dans un autre monde encore.
Et après, tu meurs dans un autre monde. Mais nous, on ne sait rien. Nous, on est sur la terre. Sur la terre, ici, là. On est en train de vivre ce qui est sur la terre. Mais c'est après la mort, tu vas savoir ce qu'il y a. C'est les morts seulement qui savent ce qu'il y a de leur côté. Hein. Les vivants ne pourront jamais savoir. Il y a un rideau. Il y a un rideau. Il y a un rideau. Un rideau noir. Si tu veux savoir ce qu'il y a de l'autre côté, il faut que tu meurs. Donc, ce n'est pas parce que tu es ici, tu es vivant, que de l'autre côté, il n'y a rien. Il y a des gens qui disent les morts sont morts. Moi, je vous dis, les morts ne sont pas morts. Hein? Les morts ne sont pas morts. Peut-être qu'actuellement, là, vous dansez coupé, décalé ici. Peut-être que eux, ils dansent autre chose là-bas. Hey. Les morts ne sont pas morts. Hein? Ils sont juste quittés dans leur corps physique. Les morts sont seulement sortis de leur corps physique. Les morts ne sont pas morts. Et puis ça dépend même de comment tu meurs, de où tu meurs, à cause de quoi tu es mort, pour qui tu es mort, comment tu es mort, comment tu vivais avant de mourir. Il y a tout ça. Il y a tout ça. Tu étais bon, tu étais mauvais, tu tuais les gens, hein, tu mangeais la chair humaine, tu as tué beaucoup de personnes, tu étais gentil, tu faisais du bien. Il y a tous ces détails. Il y a tous ces détails. Pendant que vous êtes en train de pleurer ici pour dire, oh, il est mort, elle est morte. Peut-être que de l'autre côté, il y a des gens qui sont en train de chanter, oh, sois le bienvenu. Sois le bienvenu dans notre monde. Tu es le bienvenu, on t'attendait depuis longtemps. Ben oui, c'est possible, hein. Et peut-être qu'il y a d'autres qui disent, oh, toi là, on t'attendait ici. Tu as fait du mal à tout le monde. Nous, on t'attendait ici. Tu vas maintenant rendre compte de tout ce que tu as fait. Il y en a. Et puis, il y a d'autres. On dit, oh, sois le bienvenu. Tu as tellement fait du bien sur la terre. On t'attendait ici. On a fait une fête pour te recevoir. Vraiment. Tu es merveilleux, tu es une bonne personne. Vous faites quoi des bébés qui meurent? Vous faites quoi des enfants qui sont morts-nés? Ils vont à l'enfer ou au paradis? Ah, je vous mélange la tête. Les bébés qui meurent, les enfants, ils vont où? À l'enfer ou au paradis? Ils n'ont commis aucun péché, ils viennent de naître. Ils vont où? Ils deviennent des anges, n'est-ce pas? Je mélange votre tête. J'aime ça. Il y a des gens qui croient que leur monde ici, là, la terre, là, c'est le seul monde. Non. La terre, ce n'est pas le seul monde. Même dans ce monde-là, on vous parle de la planète Mars, de la planète Jupiter, de la planète ceci. Au moins, vous êtes là en Afrique, ici, à d'autres continents. Il y a des gens qui n'ont jamais voyagé. Allez-y dans des lieux, vous allez voir, c'est encore la jungle. Il y a des gens aujourd'hui dans ce monde où on est là, qui vivent comme des années préhistoriques. Ils portent encore des peaux d'animaux. Il y a des peuples même là, leur bouche là, ils pensent ça, ils agrandissent ça, quand ils mettent quelque chose là pour agrandir les lèvres. Il y a d'autres même là, ils coupent leur oreille pour jeter. Non, je suis sérieux, hein. Je suis sérieux. Je rigole, mais je suis sérieux. Il y a des gens qui vivent dans la préhistoire, tu vois, hein. Ils ne parlent pas français, ils ne parlent pas arabe, ils ne parlent pas espagnol, pas rien. C'est leur langue qu'ils connaissent. Ils continuent à poursuivre les éléphants, ils continuent à poursuivre les biches. Ils sont dans la campagne là-bas, vous, parce que vous êtes à Abidjan, vous êtes en France, au Canada, dans le truc, vous dites, oh. Mais le monde ne s'arrête pas là où vous êtes. Hein? Le monde ne s'arrête pas à votre environnement. Le monde est vaste, très vaste. Il y a des gens qui connaissent des choses que vous n'avez jamais vues de vos yeux. Il y a des gens qui parlent aux feuilles. Il y a des gens qui parlent aux plantes. Il y a des gens qui parlent à la terre. Il y en a, ils s'arrêtent devant un arbre. Ils font va voir les Indiens, ils vont t'expliquer. Et puis, boum,
Il y a quelque chose qui se passe. Toi, tu sais. Est-ce que toi, tu sais pourquoi il a fait ça? Tu vas dire quoi? Il va à l'enfer. Non, il n'a pas accepté Jésus-Christ. Mais qui est parti lui prêcher Jésus? Donc, toi, tu crois que Dieu a créé les gens? Il est en brousse. Il n'y a pas eu quelqu'un pour aller lui parler de Jésus. Et puis, Oh, on a fait rigoler. Et puis le gars, il meurt. Il meurt. Et puis Dieu dit, ouais, parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui est venu te parler de Jésus. Toi, tu ne peux pas entrer dans le paradis. L'affaire est compliquée, hein? C'est compliqué, hein? Il dit, il y a des jungles actuellement là, où les gens, ils ont des règles, des lois. Ah, sois béni, Jude Mira. Il y a des gens qui vivent dans des règles, des lois. Moi, c'est à cause de ça souvent, quand les gens négligent leurs ancêtres, leurs coutumes, je ne suis pas trop d'accord. Moi, je suis d'accord que tu acceptes Jésus-Christ comme moi-même je l'ai accepté. Mais oublier que tu es noir, oublier que tu as des ancêtres, oublier que tes parents, avant que même les blancs n'arrivent chez eux, ils adoraient Dieu et qu'ils ont des secrets, que ça me fait mal. Enfin, nos parents étaient bien. Dieu leur parlait. Bon, on va faire comment? Il y en a 2021. Donc, je suis venu dire à quelqu'un, profitez de votre vie. Il y a des couples, je vais parler des couples maintenant. Il y a des couples qui ont des problèmes parce que vous n'en profitez pas. Vous êtes trop spirituel. Vous êtes plus spirituel que le Saint-Esprit. Le coup de... Ah, il y a toujours piment dans votre bouche. La femme. Seigneur m'a dit. Ou le mari. Ouh, Seigneur m'a dit. Trop spirituel. Un couple. Vous êtes marié. Dieu même a créé la relation sexuelle. Il a dit, quand vous êtes dans la chambre là, vous devez bien beaucoup vous faire plaisir. Oh, je suis en train de pécher. Non, j'enseigne. Vous êtes en train, il dit, faites-vous plaisir. Oh, je ne fais pas plaisir à ma femme. Oh non, ça là, on est des chrétiens. On dit bouche à bouche, embrasser, on est des chrétiens. Chérie, pardon, j'aime cette partie-là, faut toucher, on est chrétien. Chérie, il faut me caresser le dos, on est chrétien. Chérie, tu sais que j'aime la chose, il faut faire pour moi. On est chrétien. Ma bouche là, moi je prends pour adorer le Seigneur. Toi, tu veux que moi je prends pour t'embrasser, bien pour faire autre chose. On est chrétien. Demain, il se rend compte que monsieur n'est pas content. Il y a une petite fille qui a pris monsieur, qui lui a montré tout ce qu'il voulait. Elle a fait vrapata, vrototo. Monsieur s'est levé et dit Alléluia! La parole en langue jusqu'à elle est rentrée à la maison, il regarde sa femme et puis dit, donc on peut me faire ça. Toi, tu es là, on est chrétien. Et demain, tu es étonné. Oh, on s'est marié dans le Seigneur. On a accepté le Seigneur. Le Seigneur. Seigneur t'a dit que dans mourir, là, quand vous êtes dans la chambre, là, c'est lui qui va venir te mourir à la place de ton mari ou bien de ta femme. Tu t'es trompé, oh. Le Seigneur a d'autres problèmes à gérer, hein? Donc, toi, tu croyais que le Seigneur allait rentrer dans la chambre et puis il va te dire, mon fils, si tu veux, fais comme ça. Il y a d'autres, mais ils ont une seule position. Hein? Oh, on va te calmer.
Mon histoire de poulet couché sur les dos. Ah! On dit poulet à devenir quelqu'un. Poulet devient quelqu'un. Non, il y en a qui ont position de poulet devenir poulet couché sur son dos. Bracada. Et la femme là, elle est couchée. Aucun mouvement. Parce qu'elle est trop spirituelle. C'est une chrétienne. Non, donc elle est couchée. En esprit. Rien ne bouge pas. Pied ne bouge pas. Main ne bouge pas. Rien ne bouge. Et donc Dieu t'a donné rien là, c'est pourquoi. Elle t'a donné pied là, c'est pour faire aussi les yeux des gens. Elle t'a donné tout là, c'est pour tourner un peu aussi quand même. Faut tourner. Tu fatigues trop ton mari. Non, il est là. Lui, on dirait que c'est marathon. Il a eu marathon. Qu'on appelle marathon. Marathon. On dirait qu'il a la salle des gym. On dirait que la salle des gym. Le gars, il finit. Il a dit, ah, il y avait comment? Non. Il a eu quand même ce que je voulais, il a dormi un peu. Mais sa tête n'est plus sur toi. Hein. Sa tête est au dehors. Après, tu dis, ah, mon couple là, j'ai raté des sorties ici. Il faut vivre ta vie, ma soeur. Ça va pas être à l'église que tu peux plus tourner rein avec ton mari. Hein. Tourne-moi le rein là. Tourne-moi ça. Le Seigneur n'a jamais dit qu'il ne faut pas que tu tournes. Il faut montrer à ton mari que toi-même, il y en a en toi-même. C'est ce qu'il veut aller chercher ailleurs. Toi-même, tu as ça à la maison. Il faut le fracasser. Montre-lui tout ce qu'il voit ailleurs et puis il voulait aller faire là. Il faut lui montrer que toi-même, tu es spécialiste. Il faut le prendre même. Quand il sort de là, il dit, même une femme comme ça et puis. Ça, c'est fini. Même si on veut le montrer ailleurs, il dit non, faut le c'est ce que j'ai à la maison, c'est trop terrible. Faut le vider. On a, quand il sort, là, il n'y a rien. Il est déjà vide. Quand il voit même, regarde quand il voit même là. Hein? On dit fréquence d'image trop faible. Mettez les cœurs là. On dit tu es trop faible. Mettez. Mettez les cœurs. Mon ordinateur, il me parle ici. C'est un ordinateur spécial. Ça. Il est avec moi dans le direct. Il dit que vous n'interagissez pas, que vous ne regardez pas beaucoup, vous ne partagez pas. Il vient de m'écrire ça. Donc, faut le frapponner. Quand tu as fini de le frapponner, là, quand il sort, il est vide. Même Go, là, quand tu ne fais ça, quand tu fais tout ce qu'elle veut, il est vide déjà. Et puis, il dit, oh, ce que moi j'ai à la maison, là, c'est plus que ça. C'est ce qu'elle m'a montré hier. Attends, tout ce que tu veux, là, moi, il a sa tête à la maison, même. Ouais, il veut la suite de l'histoire. Ouais. Les hommes aussi, là, tu es trop spirituel. Tu sais, mon gars, toi, tu sais pas faire préliminaire. Tu sais pas faire des petits trucs. Quand tu viens net, femme là, on dirait que c'est sac poubelle, on a déposé sur ton lit. Vierge. Il faut te coucher là-bas. Tourne-toi là-bas. Oh. Tourne-toi ici. Oh, c'est quoi même? Faut lever ton pied là. Ah, oui, oui. Tu as la un moteur de tracteur des années 90. Non, années 60. C'est pour faire. Et la petite vieille, la femme, elle a dit, mon Dieu, je souffre. C'est moi, je deviendrai marchandise dans la maison des gens ici. On dirait que si tu ne fais pas fort, ou bien, on ne sait pas que tu es quelqu'un, quoi. Et la femme des gens, il faut aller doucement.
Bon. Moi, c'est ma bouche qui me crée problème. Si elle n'avait pas ma bouche là, elle n'allait pas avoir problème. Non, voilà ça. Oh, on est trop spirituel, on est trop chrétien. Mais à vous, les femmes qui allez à l'église et puis vous êtes toujours en jupe longue là. Jupe longue. Elle porte jupe là. Jupe là, ça arrive ici jusqu'à ça descend en bas. On dirait rideau des années 80. Et puis tu es étonné que tu ne plais pas à ton mari. Il faut continuer à porter jupe ronde. Ronde. Il faut longue. Il faut mettre sur ta tête aussi en même temps. Tu prends jupe qui arrive ici et puis ça descend jusqu'en bas. C'est mieux. N'importe quoi. Faut t'habiller bien. Tu as un joli corps. Toi-même là, quand tu regardes, tu te regardes dans le miroir, tu sais que tu ressembles à quelque chose. Faut mettre ça en valeur pour ton mari. On n'a pas dit d'aller au dehors pour les gens. Pour ton mari, mets ça en valeur. Toujours sac poubelle sur toi. Jupe longue. Gros sous-vêtements. Deux fois même, c'est les habits de ton mari que tu vas porter. Tu remplis la maison comme ça. Ton mari, il te voit. Quand il te voit, il a l'impression d'avoir un deuxième bonhomme dans la maison. Quand tu marches, mon grand ancien militaire. Il n'y a même pas un peu de sexillage dedans. Un peu comme ça, de temps en temps. Le gars, il est là, il te regarde, il fait. Ah, ma femme, elle est jolie. Hein? Toi, tu ne connais pas ça. Oh, je l'ai déjà marié, ça suffit, c'est déjà mon mari. Il est déjà à la maison. Et, parce qu'elle est rentrée, elle peut ressortir au. Parce qu'elle est rentrée là, elle peut ressortir au. Il faut entretenir la chose. Donc, vous êtes trop spirituel. Dieu même a assis au ciel, il vous regarde deux fois, il a dit, l'homme est mauvais. Ce que je lui ai pas dit de faire, là, il fait ça et puis il invente, il dit que c'est moi qui lui ai dit de faire. Abraham n'était pas spirituel. Abraham, quand Sarah est morte, là, tu sais ce qu'il a fait? Il est allé prendre Keturah. Il a pris Keturah. Tu connais Keturah? Une petite fille. Je ne sais même pas si elle avait 20 ans. Abraham avait 100 ans. Abraham est parti prendre Keturah. Tellement le popotin de Keturah bougeait. Le popotin de Keturah était trop énorme. C'est-à-dire que il a regardé quoi, la petite go qui gâte tout le monde là. C'est là lui il a pris. Tu crois qu'Abraham est bête? Donc David, lui, il a regardé une femme qui se lavait, puis il a pris femme là, puis il a tué son mari là. Tu crois qu'il est bête? Mais Dieu dit, David est l'homme selon mon cœur. Il y a des choses que Dieu nous a données. Il faut profiter de ça. Il nous a donné la langue, la bouche, pour bien manger, savourer. Quand tu manges, que c'est bon, tu fais. Ah, c'est bon. Bon. Dieu même est content qu'il te dise que c'est bon. Il t'a donné d'autres choses pour ton plaisir. Il faut les utiliser comme il t'a donné. Il t'a donné un corps. Prends soin de ton corps. Parfume-toi, habille-toi bien. Sois propre. Il dit, oh, je suis devenu chrétien. Il y a des soeurs même. Elles sont devenues chrétiennes. Quand elles vont à l'église même, tu as envie de prendre Dieu pour leur donner cadeau. Ma soeur, bonjour. Bonjour. Elle est habillée. Tu te demandes même si ce n'est pas la cousine du Seigneur. N'exagérez pas. Hein. Arrêtez ça. Bon, je vais vous laisser. Moi, j'étais juste venu causer un peu avec vous. Hein. Je suis relax, hein. Je n'ai pas de problème. Moi, moi je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Il y a une seule vie. Oh. Quand j'ai envie de rigoler, je rigole. J'ai envie de pleurer, je pleure. J'ai envie de rigoler, de rire, je ris. Je me fais plaisir. Je me fais plaisir. Oh, pouah, une seule vie. Si demain, on t'a dit que je ne me suis plus réveillé, tu vas faire quoi? Ce que je n'ai pas fait là, qui va faire ça derrière moi? My God! Prends soin de toi. Profite de la vie que Dieu t'a donnée. Pas dans le sens du péché, du désordre.
Respecte ton prochain, aime ton prochain, fais plaisir à ton prochain, mais ne fais pas souffrir la vie que Dieu t'a donnée. C'est juste ce que je voulais vous dire. Ce soir, il n'y a pas de délai de prière. Moi, je me prépare un petit voyage. Je suis tellement relax, je me détends. Là, j'ai fait vite ce direct parce que je veux profiter un peu de ma femme, de mes enfants aussi. Parce que demain, je décolle. Je vais pour un petit voyage et j'ai fait ça très vite. Alors, au départ, c'était un peu perturbant parce que je le fais sur un ordinateur que je suis en train de tester. Mais j'espère que vous avez bien perçu le direct. J'espère que ça vous a fait du bien. Et vu l'heure, beaucoup de personnes n'étaient pas connectées. Vu aussi que ma page était beaucoup en restreint et qu'elle est toujours en restreint, c'est pas beaucoup, y a pas beaucoup de vues. Alors c'est à vous de la partager. C'est à vous de partager, d'inviter des gens, de partager. L'ordinateur, c'est bien parce que je vois ici qu'on a fait 55 minutes, 55 secondes. Alors, comme je ne veux pas atteindre une heure, je vais arrêter le direct. Dieu vous bénisse. Là, je vois l'heure défiler. Là, c'est pas comme sur le téléphone. Parce que sur le téléphone, c'est pas pareil du tout. Mais sur l'ordinateur, c'est nickel. Alors, passez une très bonne soirée. Merci à ceux qui ont partagé. Merci à ceux qui ont interagi. Merci à ceux qui vont continuer à partager. Vous avez une seule vie. C'est pas moi, là. Quand vous me voyez, même quand vous me voyez dans la rue, vous n'allez même pas savoir que c'est le Bishop Melchisedec. Si je vais être en short, je suis en short. Je vais être en t-shirt, je suis en t-shirt. Je vais être en sous-vêtement, je suis en sous-vêtement. Mes bijoux, mes bagues, je porte ça, je me mets à l'aise. Ce qui me plaît là, je fais. Ce qui me plaît, je fais. Tant que Dieu ne me dit pas que c'est contre sa volonté, je fais. L'homme n'a qu'à penser, l'homme n'a qu'à dire. Je m'en fous de quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui va rentrer dans mon tombeau à moi. Dans mon cercueil à moi. Qui va rentrer? Personne. C'est ma vie. Et quand quelque chose convient à ma vie, je le fais. J'ai une seule vie. Je profite de ma vie. Après ma mort, là, c'est fini. Tous ceux qui parlent, oui, il a fait ça, il ne va pas faire ça, il a fait ça. Il n'y a pas un qui va vouloir rentrer dans mon cercueil avec moi. Ça, il faut te le mettre dans la tête. Donc moi, je profite bien de ma vie. Que Dieu vous bénisse.